Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo mode. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'ai commandé sur le site Pretty Little Thing. Vous mettrez la miniature de la vidéo juste ici si vous voulez aller la voir, si vous l'avez jamais vue. Donc j'ai commandé sur ce site, c'est le site du moment. Que ce soit Boohoo, Misguided, c'est vraiment un peu le même style. On est sur des fringues tendance américaine, pas chères du tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est parce que on n'est pas du tout dans la mode française en fait. Il y a beaucoup de tailles hautes, beaucoup de crop top, il y a un petit peu de tout. Donc je vais commencer avec premiers accessoires et je vous montrerai les fringues tout de suite après. J'ai trouvé des bijoux, ça faisait un petit moment que je cherchais, vous savez, des bagues avec un pendentif, des bagues qui bougent. Moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains et quand ça bouge c'est encore plus joli, regardez. En fait il y en a 5 je crois dedans mais je vous ai pas tout sorti. Donc il y en a, en fait elles sont dorées hein, tout simple, vous savez c'est de la fantaisie. J'ai déjà acheté une bague sur Misguided, Pretty Little Thing pardon. Et c'est, voilà, on peut pas le mettre tous les jours, se laver les mains avec, parce que sinon, bah, la couleur, elle va partir, à moins que vous ayez l'astuce de mettre du vernis transparent pour ne pas enlever ce côté doré. C'est un petit sac, donc celui-ci, un petit peu rectangulaire avec une chaîne argentée. Je croyais que la chaîne, elle était dorée, j'aurais préféré. Il y a une époque où, pour moi, le doré, c'était no way, je détestais le doré. Surtout que j'ai la peau très claire, je préférais l'argenté et c'est devenu le contraire, en fait. Je vais pas dire que j'aime plus l'argenté, mais j'ai quand même une grosse préférence pour le doré. Donc voilà, en fait, il est en poil noir. Je me suis dit que le noir, ça allait vraiment avec tout. Que ce soit avec une robe de soirée, avec un jeans, avec même un jogging pour sortir un peu vite fait. Ce sac, je l'adore. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Donc c'est des poils, bien sûr, c'est pas des vrais animaux. Il existait aussi en bordeaux. C'était tout à moins 40%. Si vous allez sur Pretty Little Thing et qu'il n'y a pas de promo, attendez un, attendez 2 jours, attendez 3 jours qu'il y ait les promos. Parce qu'il y a tout le temps des promos. Minimum une fois dans la semaine. Moins 40%, c'est génial. Ça vaut le coup, un truc de malade. J'en ai pris qu'une paire cette fois-ci. Que j'ai déjà porté en plus, comme ça j'ai eu l'occasion de tester. C'est pas la qualité la meilleure au monde. Ce qui me dérange beaucoup dans ces chaussures, c'est le fait que, vous voyez, le talon en fait, il se tourne quand je marche. Je comprends pas pourquoi. Je pense qu'il faut les resserrer. Il y a une solution, de la colle forte, j'en sais rien. Mais il faut trouver une solution parce qu'on peut pas marcher comme ça. Niveau style, personnellement, j'ai adoré ces chaussures. Ça faisait un moment que je voulais des chaussures transparentes. Vous savez, quand vous portez par exemple, je sais pas, un pantalon noir, une chemise noire ou une robe noire, j'ai pas envie d'apporter quelque chose de noir au bout de mes pieds. J'ai l'impression que ça alourdit la silhouette. Quand on met une chaussure, ben, du coup, nude ou une chaussure transparente, je trouve ça très très élégant. Et là, on est vraiment dans la tendance du moment, très américaine comme j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est des sandales avec ce petit effet transparent. Et aussi sur les talons, ce qui est bien, c'est que c'est pas des talons très hauts. Ça doit être du 7, du 8. En tout cas, je les trouve canon. Et du coup, elles existaient, je crois, en noir et transparent aussi. Noir, c'est une ceinture. Je vous avouerai que je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu moins cheap. Elle n'est pas dégueu, mais elle est très fine. Donc moi, je préfère quelque chose qui me maintienne. On va dire que ce sera plus de la décoration. Je ne sais pas si je la porterai, je pense quand même. Donc il y a un petit lion dessus, il y a toute une collection lion sur Pretty Little Thing. Des vêtements, je vais quand même vous faire une petite parenthèse avant de vous montrer. J'ai commandé mes articles un jeudi et je les ai reçus le mardi qui venait. Donc vous voyez, ça a même pas mis une semaine, j'ai commandé avec une commande express, donc c'est 2 € en plus. Pour 2 €, c'est pas grand chose. Donc on les reçoit assez vite, hein, ça vient des UK. Alors regardez ce petit top que je me suis trouvé. C'est un crop top, manche longue, nude, en néoprène. Clé, je dirais, parce qu'il n'est pas lisse et c'est ça que j'aime beaucoup. On voit aucune démarcation de soutien-gorge, etc. Sur le site, il existe en fait en noir, en nude et en fait, il y a un espèce de jogging taille haute qu'on vient rajouter. Moi, ça ne m'intéressait pas. J'étais vraiment intéressée que par le haut. Ça, c'est le genre de haut quand je sais pas quoi mettre. Je vais le mettre avec un jean, je vais le mettre avec une jupe en cuir. J'aime énormément ce haut, j'aime énormément la couleur. Et le prix surtout, parce que ça valait vraiment le coup. J'espère que vous voyez bien, je vais me mettre dans le sens là. Franchement, il est sublime quoi. Il est sublime ce petit haut. Rien à dire, aucune couture en trop. Moi, je l'ai pris en taille 38.
Et c'est vrai qu'une taille de plus, ça aurait été mieux. Encore une fois, un crop top, hein, vous savez que j'adore ça. Je vous le dis à chaque fois sur ma chaîne, je suis grande. Et quand je mets des vêtements taille haute en bas et des crop top en haut, je trouve que c'est une silhouette beaucoup plus sympa, plus actuelle, plus moderne. Voilà. Donc on a ce petit crop top rouge. J'avais un pantacourt que je vous ai présenté dans mon dernier haul Primark. C'est un pantacourt qui venait de chez New Yorker, noir et rouge. C'est pas un haul try on aujourd'hui, hein. C'est bien un haul, mais je vous ferai un lookbook, comme je vous le dis tout le temps, vous inquiétez pas. Il y aura un lookbook avec toutes ces tenues-là portées, donc vous allez vraiment voir ce qu'elles rendent réellement. Donc en fait, voilà, j'avais ce pantacourt et je savais pas du tout quoi mettre avec. Et ce t-shirt-là, je le trouvais trop blanc, je sais pas, je trouvais que ça allait pas avec. Et ce petit crop top rouge que je n'ai pas du tout essayé encore, je l'ai pris en taille 40. Quand on a de la poitrine, je préfère ne pas être trop serré. Un manche court, il est rouge, il peut être décolleté ou pas décolleté, c'est un suivant du zip qu'on ouvre avec le petit anneau argenté. Il est côtelé aussi. Et Pretty Little Thing, c'était vraiment une matière qui est très agréable à porter, c'est ça que j'aime beaucoup. Cette robe, je l'ai trouvée canon sur la mannequin, franchement. La petite couleur moutarde là pour la rentrée, c'est canon, j'avais pas de jaune. Et la petite touche de jaune qui n'est pas un jaune fluo, donc hyper agréable à porter. Ça change du noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc. On vient rapporter une petite touche de jaune. Ça égaye un petit peu le côté noir de la tenue. Donc pareil, hein, décolleté ou pas décolleté avec un zip anneau. Moi, je l'ai prise en taille 40, la robe. Attends, j'étais pas choisie que c'était du 38. Je l'ai prise en taille 40 et malheureusement, elle est très courte. J'ai regardé le mannequin qui le portait, elle faisait 1m73. Pour le coup, je fais 10 cm de plus qu'elle. Donc je comprends pourquoi il n'y a pas assez de tissu en bas. Mais j'ai une solution. La première fois que je l'ai essayé cette robe, je l'ai mise avec des collants et des bottines noires. Et je me suis dit, mais en fait, ça va pas du tout. C'est hyper court. Je sais comment faire pour finalement cacher le fait que ce soit très court. Soit je la porte avec des baskets blanches, donc à plat, pas de talons, donc ça va pas remonter le tissu jusqu'à la fesse. Donc soit je la porte avec des petites baskets, des petites converses et un gilet par-dessus, soit je mets une veste en jeans à la taille pour cacher l'extérieur. Donc voilà, en tout cas je la porterai pas avec des talons parce que je suis quelqu'un qui aime bien le côté sexy, mais pour le coup là c'est pas sexy, c'est moulant court et on n'est même pas à l'aise dedans en fait. Quand on marche, quand on voit toutes les cuisses, c'est pas du tout agréable. Donc j'aime bien le petit côté, vous voyez le petit bon, c'est pas non plus un col Claudine. Mais j'aime bien le col montant comme ça, qu'on peut ouvrir et fermer, c'est super sympa. Et c'est dans la même collection puisqu'elle est noire. C'est une robe t-shirt, j'adore les robes t-shirt. C'est le genre de tenue que je mettrais en été, en hiver, en quelle saison. Une robe t-shirt, c'est la tenue à avoir en ce moment. Comme je vous dis, ben voilà, elle est noire avec ses bandes blanches et un petit peu moutarde. J'essayais de trouver des boucles d'oreilles moutarde et elles étaient en rupture de stock sur le site. Vu que c'est une robe et vu que c'est une robe Pretty Little Thing, je me suis dit, ça y est, elle va m'arriver. Rala. En fait, non. Je suis super contente parce que justement, c'est une matière qui est assez extensible. C'est vraiment la matière t-shirt pour le coup, c'est du coton. Moi, je l'ai prise en taille 38. Je me suis dit que 38, ça allait pour un t-shirt. Donc c'est un t-shirt long que vous pouvez agrémenter d'un collant opaque noir ou d'un leggings. J'ai hâte de vous montrer ça dans un lookbook et franchement elle est sublime pour la rentrée. Très agréable à porter. Je vais avoir 25 ans là, à la fin du mois, le 30 septembre. Et j'avais envie pour 25 ans d'une robe qui se démarque un petit peu des robes de d'habitude. J'avais pas envie d'une robe noire décolletée, j'avais pas envie de tout ça en fait. J'avais envie de quelque chose qui marque le coup, que j'ai des photos quand je suis plus vieille en mode tiens, à 25 ans je portais ce genre de robe. J'ai envie de me dire allez, tu peux porter ce genre de robe. J'ai jamais porté ce genre de robe et pour moi quand il y a des événements, que ce soit un mariage, que ce soit une fête spéciale, je trouve que les robes longues ça apporte quelque chose en plus. Avec un col montant, encore une fois, il y a très peu de décolleté dans ce haul comme vous voyez. Je ne saurais pas du tout vous dire la matière, je ne sais pas si c'est un genre de néoprène de coton. En tout cas, il y a un voile légèrement satiné. Je l'ai prise en couleur nude, elle existait en bleu roi. Donc toutes les filles qui sont métisses, toutes les filles qui sont bronzées, toutes les filles qui sont peau noire, à mon avis, le bleu foncé, ça doit hyper bien ressortir sur vous. Portez ça avec un chignon, des petites mèches. Quand on regarde comme ça, on a l'impression que le dos il est ouvert, il va être dos nu, mais en fait non, c'est un genre de croisé. Donc encore une fois, cette robe, vous inquiétez pas, je vous la présenterai sur ma chaîne, mais dans un lookbook. En fait, vous voyez, c'est des épaules dénudées et les manches, elles sont ouvertes presque trois quarts. Donc en fait, on a toute une partie qui est ouverte.
ou si je vais me trouver une culotte couleur peau, un string, je sais même pas ce que je vais porter avec ça. Derrière, elle se présente comme ceci, donc tout est fermé, heureusement. Et en fait, devant, on a des fentes qui sont ouvertes un petit peu. C'est super canon, moi j'ai des très grandes jambes et les robes longues, ben je trouve que ça me va bien. Donc il y a un tissu, ne mettez surtout pas ça quand il y a du vent, parce que clairement, c'est culotte à l'air assuré. Donc on a toutes les cuisses et les jambes à l'air avec ça. Et du coup, ça monte hyper haut à la taille. Donc j'ai peur qu'on voie toute la culotte assise. On verra bien, je sais pas, une couture, non, je pense pas que ce soit esthétique. Peut-être, ah oui, j'avais pensé à des épingles à nourrice. Avec Pretty Little Thing, c'est que quand dans votre colis, vous recevez un papier que vous collez directement sur un carton que vous renvoyez. Si les articles ne vous plaisent pas, si les articles ne vous vont pas, donc c'est assez pratique. Vous pouvez les renvoyer et puis ensuite vous avez un bon d'achat. Soit vous faites rembourser sur votre compte bancaire, soit vous avez un bon d'achat pour acheter d'autres articles ou alors reprendre la même chose avec une autre taille. Donc j'ai trouvé ce gilet très simple. Moi je le voulais en blanc. Il existait en blanc, en noir et en gris clair. Je voulais en blanc et malheureusement il n'y avait plus du tout ma taille. Je me suis dit que gris c'était une couleur qui allait avec tout. J'avais pas du tout envie d'un gilet noir. Ça c'est le genre de truc qu'on met justement en ce moment. Septembre, octobre, ça va être le truc. On n'a pas envie de se trimballer avec un gros manteau, il fait pas encore trop froid. Mais je sais pas, un jeans, un débardeur, un gilet, c'est la tenue simple qui va avec tout. Il est long, il y a des fentes un petit peu ici, donc ça casse un peu le côté peut-être mémérisant. Ce serait bien de le mettre avec un décolleté pour un petit peu casser le côté justement gilet vieux, gris. Il y a deux articles à vous présenter, j'ai trouvé. Je mets tout sur cintre maintenant, même les pantalons, vous verrez dans le haul, je vous mettrai la miniature de ma dernière vidéo. Ma dernière vidéo qui est un haul action spécial fourniture scolaire, tout ça. Et du coup, j'ai trouvé plein de cintres, je cherchais des cintres. Je vous mets la vidéo juste ici, si vous ne l'avez pas vue. Sur l'image, il ne rend pas du tout pareil. Donc ils appelaient ça joggings blanc, néoprène, effet marbre. Alors pour moi, l'effet marbre, je pensais qu'il était réel. Bien évidemment, je me doutais que c'était pas un pantalon en marbre. Je pensais qu'il était blanc avec des petites stries noires grises à quelques endroits. Mais pour le coup, vous voyez, le motif, il est hyper noir, hyper épais. Le cordon, on peut même pas le serrer à la taille. C'est juste un élastique. Donc le cordon, finalement, c'est de la déco. On peut même pas le resserrer. Pour le coup, je l'ai essayé. Moi, je l'ai pris en taille 38. Il me va très bien. Malgré que j'ai des grandes jambes et que ça fait un petit peu pantacourt, tant pis. J'ai l'habitude, vous avez l'habitude aussi. D'ailleurs, comme je vous ai dit, n'hésitez pas, si vous connaissez des sites pour femmes grandes, à me conseiller. N'hésitez pas en commentaire à me dire, ça me ferait un grand plaisir. Donc, finalement, je l'ai essayé et je l'aime beaucoup, en fait, ce jogging. Il va avec tout, vous le mettez avec un haut rouge, vous le mettez avec un haut nude. Il va avec tout, il est noir et blanc, enfin, plus blanc pour le coup, et je l'adore. Les joggings, c'est ma vie. Que ce soit pour tourner des vidéos, pour aller n'importe où, j'adore les joggings avec un haut un peu habillé justement pour casser le côté jogging. Vous pouvez même porter ce jogging avec les talons transparents que je vous ai présentés tout à l'heure. Maintenant c'est la mode complètement, ça fait un petit moment. Comme je vous dis un peu tous ces sites Misguided, Pretty Little Thing, Boohoo, en Amérique ils osent en fait, il faut oser. Vous voyez dans les clips il y a des filles en survêtement avec des talons, mais c'est pas les survêtements d'ici de maintenant quoi. On va pas se mettre en Nike avec des loups boutins non plus, faut pas abuser. Donc voilà pour ce jogging et franchement il est trop à l'aise, même pas 15€, je suis super contente. Je le voyais comme un pantacourt un peu carotte, vous voyez la forme carotte, c'est-à-dire près du corps mais pas moulant. Et pour le coup il est très moulant, alors je sais pas si c'est la taille que j'ai choisie. Si pourtant je l'ai pris en taille 40, il est rigolo quand je le porte, il est vraiment rigolo. Parce qu'en fait il y a une genre de collerette tout à la taille qui contourne le bidon parce que c'est un taille haute et que j'adore. Il y a une petite ceinture assez épaisse qu'on vient nouer devant. Noir avec des rayures verticales blanches. Je l'ai porté avec un haut nude et les talons transparents. Ça fait un sublime look. Franchement, j'ai adoré. Il est super. Si vous voulez quelque chose de près du corps ou d'un petit peu large, je vous le conseille de prendre dans une taille beaucoup plus grande que la vôtre. Sinon, c'est quelque chose de moulant. Donc, ça ne correspond pas forcément à la photo des fois sur les sites. Il faut vraiment se méfier. N'hésitez pas du coup en commentaire à me dire quel est l'article que vous avez préféré dans ce haul, quel est l'article que vous avez le moins aimé, que vous porterez pas du tout. C'est vrai que les talons par exemple c'est quelque chose d'assez spécial, tout le monde n'aime pas. Moi j'aime vraiment le style américain. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine.